spéciale. Nous sommes très honorés de vous accueillir ici dans la Maison de la Presse du Mali. La Maison de la Presse est disposée à travailler main dans la main avec l'AMINUSMA pour servir la population malienne, pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. J'ai une idée des priorités que vous vous êtes fixées quand vous avez été élu en janvier dernier. Elles sont ambitieuses, mais elles sont claires, elles sont faisables. Et vous pouvez compter sur nous pour vous aider aussi à les réaliser. J'ai tenu à venir à la Maison de la Presse pour à la fois marquer l'intérêt, l'attention, l'attachement que l'AMINUSMA porte à l'existence d'une presse indépendante, crédible, comme un pilier fondamental pour consolider la démocratie, faire avancer la paix, la stabilité dans le pays, mais aussi pour réitérer mon engagement et celui de mes collègues au sein de l'AMINUSMA à continuer à apporter notre soutien à l'action des médias maliens à travers la Maison de la Presse et à collaborer avec la Maison de la Presse à l'avancement de priorités conjointes. Et comme vous le savez, nous travaillons essentiellement autour de trois axes. Faciliter la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger de 2015, la stabilisation du centre, je pense que c'est d'une importance cruciale, et évidemment l'accompagnement de la transition qui est en cours au Mali. Donc j'étais très ravi de venir ici dire mon soutien, ma solidarité avec la Maison de la Presse et les médias maliens, mais aussi réaffirmer notre engagement à continuer à travailler avec les médias maliens dans un esprit de collaboration comme nous l'avons fait par le passé. C'est vraiment un jour historique pour la Maison de la Presse. Et nos échanges ont essentiellement porté sur le cadre de collaboration qui peut exister entre les médias maliens et l'AMINUSMA. Et d'ores et déjà, nous prenons l'engagement d'amplifier nos relations avec l'AMINUSMA et de l'accompagner pour le succès de sa mission. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes très suivis dans la mesure où notre projet résumé en 11 points a été rappelé par les représentants, ce qui nous a permis effectivement de comprendre que nous sommes écoutés mais entendus.